Salut à tous, c'est Christopho, très heureux de vous retrouver pour l'épisode 5 de Donkey Kong Country. On était au boss du monde 4, le monde des glaces. Un monde qui nous a causé pas mal d'émotions. Surtout dans le premier niveau en fait. Après ça allait mieux. Alors, lui c'est un remake du boss du tout premier monde, qui lui-même est un remake des petits ennemis. Et donc la différence c'est qu'il a changé de couleur et qu'il saute. Et ben voilà, c'est raté. Allez, je me concentre un peu. Ça m'aidera. Ah bah ça commence bien. Ok. Deux coups. Il saute une fois de plus à chaque fois. 2, 3, 4, et après, tac, raté. C'est bon! Yes! Je t'ai eu! Boum, prends ça! Allez, monde 5, c'est le monde des usines. Ah, j'aime bien cette musique. J'adore cette musique. Bon, elle est pas aussi bien que la musique des wagonnets, c'est vrai. Parce que la musique des wagonnets, c'est la meilleure du jeu. En fait, c'est dans ce niveau-là que se trouve un méga passage secret. En fait, un passage secret qui est dans un autre passage secret. Et c'est donc lui, en quelque sorte, qui nous permet d'obtenir les 101%. Parce que si on prend... En fait, c'est là. Ça, c'est un passage secret normal. Seulement ici, il faut prendre une banane. Et la banane, elle nous donne un tonneau. Et en fait, il y a un petit indice, c'est que c'est des flèches qui sont derrière, là, dans les décors. Et donc, tout ça pour arriver dans un second passage secret. Et là, on va obtenir plein de vie. Si on fait pas d'erreur. Ah, super, j'ai raté à la dernière lettre. Il aurait fallu réussir pour avoir 3 vies, ça aurait été beaucoup, ça aurait été cool. Bon, c'est vrai que je manque pas de vie, mais quand même. C'est bête de perdre tout à la fin comme ça. Enfin, c'est pas grave. Continuons. Il sera quoi ce tonneau déjà? Juste à obtenir des bananes? Et le haut? Même pas pour le haut, pas besoin. Cool, un tonneau d'écart. C'est ce qu'il me fallait. Je sais plus s'il y a encore un bonus après. Pas cool ça. Ah oui, il y a un bonus là. Je me disais bien. Bon, j'ai pas vraiment fait exprès de tomber, mais... encore une fois, ça a pas d'importance de réussir ou de rater les bonus. L'essentiel, c'est de les trouver. Oula, c'était chaud. Dans tous les sens du terme. Alors, c'est là qu'il faut faire attention. Parce que les flammes, elles sont de plus en plus méchantes.
Tiens ça. Sauter depuis là. Voilà. Sauf que j'ai pas le N. Tant pis. Allez du tambour. Terminé. Ah, le trajet top toc. Ça c'est quelque chose. Je crois que là-dedans... Ah non, c'est dans... C'est dans l'autre niveau qui ressemble à celui-là. Dans le dernier monde. À un moment, il y a un passage secret qui est super bien caché. Genre, il faut se laisser tomber comme si on se suicidait. Mais il n'y a pas d'indice. La plateforme elle est sympa, elle m'attend quand il y en a un qui se fait blesser, elle attend l'autre. Le haut. Pour l'instant j'ai pas de bonus dans ce niveau. Ah! Ouais. Bon. On recommence. Le cas. Ah, j'ai raté le haut. C'est lui qui m'a tué tout à l'heure. Non, c'est pas lui. Ah, c'est le... Ah oui, il y en avait deux, c'est le deuxième. Ok. Après, là, il y avait un bonus. Ça suffit. Alors, sauvegarde. Donc à partir de là, on a des ennemis qui vont nous accompagner sur la plateforme, vont nous tenir compagnie. Pour pouvoir se faire des nouveaux copains. Alors lui il saute en même temps que nous. Il meurt un jour. Ah. Bravo. Ah, on recommence super loin en arrière. Lui, il suffit de le laisser, il tombe tout seul. Enfin, la plupart en fait. Si ce n'est tous. Quand ils viennent sur la plateforme,
on les laisse passer et c'est bon. Pareil pour lui. Passage secret en bas là. Je pense qu'il y a un truc en bas. Yes. Je me souvenais bien. Allez, 3 vies. Trajet toc toc, point d'exclamation. Ah, les ascenseurs excentriques. J'ai dit exactement la même chose dans le niveau précédent. Ah, les trajets toc toc. Oh bah, super. Ah, pas eux. En bas là, bizarre. Ah. C'est bizarre, j'étais persuadé qu'il y avait quelque chose en haut par contre. Apparemment non, c'est peut-être plus loin. Oups. Toujours trop gourmand. Ah, c'est là qu'il y a quelque chose en haut. Ouais. Alors, j'ai entendu un tonneau d'Eka. Donc, je suis où? Je suis un peu plus loin. Ouais, donc je vais revenir en arrière pour prendre le tonneau d'Eka. Où est-ce qu'il est? Ah non! Attends. En fait, non, j'ai dû revenir en arrière. Je me suis trompé de direction. Allez, c'est pas grave, on recommence. De toute façon, on n'était pas très loin. Voilà. Il a le tonneau des cages, juste en dessous. Oui, en fait, j'en ai pas. Oui, bon, d'accord. C'était juste pour vous montrer. Je voulais pas spécialement le prendre. Ok. Donc non, j'étais bien dans la bonne direction pour le retrouver. Enfin bon, aucune importance. Allez, viens les bananes. Bon, le niveau il s'appelle ascenseur excentrique. Et pour l'instant on n'a pas encore vu d'ascenseur. Mais ça ne va pas tarder, les voilà. J'adore faire ça. Alors. Attendre le prochain. Oula 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 oula. Tout va bien. Pas de panique. Va toujours bien.
Et il y a un bonus juste à la fin. Là, faut se laisser descendre. Hop, gagné. On arrive à la sauvegarde. On va continuer. Ah, l'état empoisonné. Ça, c'est un niveau difficile. En plus, l'eau, elle est toute verte, toute empoisonnée. Ok, c'est parti. Je dis pas grand chose parce que là, j'ai besoin de me concentrer un minimum. Dans un niveau comme ça, c'est assez chaud. Non, non, non. Non. En plus, il y avait un tonneau des cas. On recommence. Alors déjà, je suis pas allé là-haut, mais il y a des choses là-haut. Ah oui, non, il n'y a pas grand-chose. Ok. Premier poisson tout bête. Mais je veux le cas. Ensuite, je veux le DK. Ensuite, là, il y a quoi, là? Ouais. Si je suis pas allé là non plus. Il y a quelque chose. C'est sympa. C'est vraiment un jeu de sadique. Comment on pouvait l'éviter celui-là? Enfin, si tu le sais pas, tu peux pas l'éviter. Ok, trop gourmand, toujours trop gourmand. Bon, cette fois-ci, je vais droit au but. Allez. Ça, je suis mort avant, non? Ça, je me suis fait tuer à mon premier essai. Ok, record battu. Bon, ensuite, ceux-là, je les aime pas du tout. Ils sont trop durs à éviter, quoi. La sauvegarde, s'il vous plaît. Allez, soyez sympa. Yes. Après, c'est encore plus dur, je crois. Bon. On s'en fout, on a la sauvegarde. Alors, normalement il y a un tonneau des cas après les sauvegardes. Où est-ce qu'il est le tonneau des cas? Ah! J'aime pas les petits poissons. Ah là là, je suis trop nul. Non, non, non. Mais pourtant, eux, j'ai réussi à les passer tout à l'heure. Enfin, je crois. Si ou que j'ai perdu, je sais plus. Je ne sais plus, je suis totalement perdu. Alors. On est reparti. Oh.
lui va peut-être nous aider. Espérons. Ok. Alors après. Ah bah tiens. Salut mon pote. Bon, à 3 on devrait y arriver maintenant. Ou à 2, c'est pas grave. Bon, il est définitivement disparu, l'espadon. Oh là là, j'arrive pas. Je me souviens qu'il y a un tonneau des cas pas loin. Genre juste après. Yes. Alors. Bon là on est plus très loin de la fin. Je pense que maintenant ça devrait aller. C'est le dernier niveau aquatique du jeu, je crois, celui-là. Il me semble qu'il n'y en a pas dans le dernier monde. Allez, on va faire comme d'habitude, on passe tout en haut. Et ça marche. Le G, il sert à rien parce que j'ai pas le cas. La folie du chariot minier. Un niveau avec des wagonnets. Ça c'est quand même les deux niveaux les plus rigolos je pense. Le niveau avec les wagonnets. Alors là, il y a un endroit où il n'y a pas de banane et faut sauter. La différence avec l'autre niveau des wagonnets, celui qui était dans le deuxième monde, c'est que quand on saute, le wagonnet ne saute pas avec nous. Oups, j'ai raté un bonus. Celui-là, je vais pas le rater. Hop, hop, hop. Bon, et ben, on a raté un bonus. On va recommencer. Demi-tour. Demi-tour tout, on recommence. Donc pas la peine d'y retourner. Là, je pouvais me laisser tomber en fait au précédent. Il y avait un deuxième passage un peu caché. Bah alors ça c'est malin. Je zappe la sauvegarde. C'est là le bonus? C'est là. Voilà. L'erreur réparée. Je fais exprès de le rater de toute façon. Allez, on sort. Dernier niveau de ce monde, la cave camouflée. Là, c'est dans l'usine, mais dans le noir.
là là, je prends des risques. Je prends des risques inconsidérés. C'est marrant, les bananes elles sont visibles dans le noir. Je crois que c'est la seule chose, enfin, à part les personnages. Ah non, il y a aussi le tonneau de sauvegarde, il est visible aussi. Ok. J'ose pas trop avancer parce que. Voilà. Pour l'instant, tout va bien. Généralement, c'est quand je dis que tout va bien que. Il commence à m'arriver des catastrophes. Y'a pas un bonus là-dedans? Je crois que c'est après les bonus. Ah! Aïe! Je suis mort! C'est là que je suis mort. Faut faire gaffe. Et ben non. Pas trop vite, pas trop vite, pas trop vite. Pas de précipitation. Si, mais franchement, je suis allé un peu au hasard. C'est là qu'il y a un passage secret, il me semble. Ouais. Ah oui, après il y en a un autre avec ça. Ça c'est sympa, je trouve. Voilà, après il suffit de se laisser guider. On fait plus rien du tout. On rebondit. Et on pète le passage secret. Terminé pour ce niveau. Et comme d'habitude, on fera le boss dans la prochaine vidéo. Qui sera d'ailleurs, je pense, la dernière. Mince. Mais où est-ce qu'il va? Alors. En bas, à gauche. Et en bas. Sauvegardons. Voilà, c'est la fin de cet épisode numéro 5. À très bientôt pour le sixième et dernier. Salut à tous, salut Candy.